Je vais donner la parole à mon ami Joachim Jorg, qui va nous parler d'une nouvelle technique également. Tu es en ligne, Joachim? Ah, il nous a quitté. Oui. Ah oui, très bien. Voilà, tu as la parole. Ok, laissez-moi voir si j'ai fait. Ok, il faut que je partage mon écran encore. Je ne suis pas sûr si le. Professeur Jean nous avait présenté l'année dernière déjà quelque chose d'approchant, mais on a développé un nouveau logiciel avec lui qui consiste pour les étudiants à faire des contours sur des tablettes graphiques de coupe anatomique de Visible Human pour s'entraîner et d'avoir en même temps l'objet qu'ils sont en train de reconstruire dans un casque Oculus en tridimensionnel. Donc c'est vraiment un outil qui permet de contrôler ce qu'on fait. Voilà, merci Joachim. Ok, merci bien pour cette introduction. Allons voir. Je vais vous présenter Anatomy Studio, tool for virtual dissection through augmented 3D reconstruction. Let me get this. Okay, good. I'm not sure whether to present in English or in French, but since we have English and speaking and French speaking people in the audience in attendance, I will probably go and switch to English. So if you pardon my English, I will talk about Anatomy Studio, a tool for virtual dissection through augmented 3D reconstruction. And so we have a few issues about collaboration here between medical people, anatomists and computer scientists, and that's one important feature of our work. We want to be able to provide tools for students to learn anatomy and by doing virtual dissection. And anatomy has been a collaborative subject from the beginning. Here we can see a famous painting that shows anatomy as a collaborative work between the teacher and the students. And this is one of the most ancient paintings of the genre in the Dutch Flemish art. And you could see that by the time they would do paintings of guardsmen, and where you present the officials around the table filled with goods, nourriture. Now they present students and the professor around the cadaver that's being dissected. And you can see that there are different people holding different objects. And this is the kind of the spirit of anatomy that we are trying to recover here. So another very, very famous, probably the most famous painting about anatomy is by Rembrandt in 1632. And by then there was no shortage of cadavers. And you can see anatomy here is pedagogy, where you have the enseignant and you have the élève autour de lui. And the corpse on the table is a criminal. And what you can notice here, it's the funny thing that the cadaver seem to have two right hands. But again, the important thing is that people learn by the dissection of different organs. Now, you can do also anatomy dissection with mummies. There will be a talk from Professor Andrew Zinnerman that will show some interesting applications here. And of course, the problem that I want to illustrate here is that the material for the anatomical education comes from the dissection of a cadaver. But once you have the cadaver dissected, the damage becomes irreversible because the surrounding structures have been damaged to highlight the focus of the lesson. And currently, because there are lots and lots of universities teaching anatomy, there's a shortage worldwide of cadavers in the medical schools
to teach students and surgeons alike. And anatomists and students can now use, as you could see from the previous lecture, which was fantastic, it showed a wide variety of tools to perform 3D reconstruction from anatomical slices, or what we called 3D reconstruction from anatomical slices, or 3DRA, as illustrated there. And these tools respond to several objectives. So to promote novel pedagogical methods, to allow a statistical analysis of the variability, the anatomical variability, and sustain the clinical practice to optimize decisions. It's noted today, as my colleague Soler just noted before, that these tools are a complementary support to dissection and not necessarily their replacement. And of course, you have, as you could see now, advanced image rendering techniques such as volume visualization that can show in the anatomical structures in the least details. And recently, as you could see, there are applications of augmented reality. Well, augmented reality, as Jean-Luc Soler pointed out, is a tool, an outil, qui permet de voir à la fois l'environnement et aussi les images de synthèse. That is to say, you can superimpose computer-generated images on the real environment. Of course, there are lots of interesting problems of registration and moving tissues that make it its use in an operating room very, very challenging, but that's beyond the topic of this talk. And we are talking about virtual reality, which has become more interesting recently because of the pandemic. I would like to present you Anatomy Studio and a collaborative approach to the virtual dissection in a mixed reality, where one or more anatomists can explore a complete data set, anatomic, and to effect to realize 3D manual reconstructions. You can do sketches on a tablet here, as you could see, and then you can do the reconstruction of anatomical structures thanks to contour drawing. And the difference between mixed reality and augmented reality is that the computer-generated objects, or les objets de synthèse graphique, peuvent occulter les objets réels. Et ça se doit à des propriétés des casques head-mounted displays qu'on peut utiliser dans cet environnement. So, going back into English, you can perform these dissections in a collaborative manner where different people can work on different slices and perform very coarse dissections and improve their drawing. As you can see there, you have a person wearing a virtual reality, mixed reality headset that allows them to see the other people and the virtual table and the bones and while collaborating. So this work was done before the pandemic, as you can assume. People are not using a mask, they are very close together, and hopefully we're getting back to such a time. The interesting thing here is that you can manipulate the, so each person can independently operate on different slices, and we can use this for collaborative teaching and learning, which is one of the best ways of learning anatomy. The interesting thing about this approach is that you can, in practice, extend this to people working in different parts of the globe. You can have people in Mexico, in Australia, and in Paris, in France, in Portugal, accessing the same data set and working together. Now, the problem is, of course, that right now we have a tool
that allows you to specify contours in this way, a flexible way, and then you can have a logiciel, a software that looks at the edited contours, adjusts them, finds the points, remesh the model, and represents the model in 3D. And this figure just shows that you can add extra points or suppress extra points so that you can always compose a polygonal mesh that represents the contour of the bone to guarantee an uniform sampling. Or in an échantillonnage de dessin qui est uniforme par construction. And here you can see some examples of structures, the anatomical structures that were reconstructed with the end of this process. And of course, as we have said at the beginning, we need material to do this, except that in this case, we use, of course, digital material numérique that comes from the Visible Human, in this case, the Visible Korean project. And so you can see one slice, a photography taken from one slice of the data set. So we did this logiciel, we did this program, and we wanted to see how it could be used to allow the collaboration and to help the collaborative reconstruction in 3D of anatomical structures. So we did a study, user study, with several professional users, including anatomistes expérimentés et des professionnels de la santé, c'est-à-dire seasoned anatomists and professional medical staff, and using the female body of the Visible Korean project. Here you can see the interactions that people typically do. In the top, if you can see my cursor here, they are working on the tablet to digitize contours, that's what we call tablet interaction. In the middle, you see that people are not looking at their tablets, but are looking ahead. And they are doing a mixed reality preview where they can see the reconstructed structures in three dimensions, or trois dimensions, dans l'espace, en front de. And then they can explore and change the viewpoint by moving their heads around. That's what we call mixed reality exploration. So mixed reality preview, just look at what you've done through the mixed reality glasses. This is a headset called Meta 2 or Meta 2 or Meta View, that was the company. Unfortunately, it went bankrupt. We were working on a HoloLens version of this one. However, the Meta are superior to HoloLens in the sense that their field of view is much larger, something like 9 times much larger than the HoloLens. And here, on the fourth set of plates, you can see people interacting in mixed reality, grabbing slices, grabbing the view plane with their hands and moving it around. And then you can see in the bottom of the two images, you can see people collaborating. They are talking to each other and they are discussing and they are doing collaborative visualization. So these are the 5 types of fundamental interactions that our system can afford. And here you can see the apparatus where we tried during a congress of anatomy. And we grouped participants in pairs. They were sitting at the table face to face. And before we asked them to fill out the questionnaire with their demographical data, their profile and their previous experience and familiarity with the technology. And then we asked them to digitize the simple structure, bone. And each user should reconstruct the femoral head, be it gauche or droite, respectively.
Ensuite, afin d'utiliser une structure similaire à celle sélectionnée pour la tâche d'entraînement, la tâche de test a consisté à la reconstruction 3D de l'humérus. So we have made a reconstruction of the humerus as a test task. And so you can see here the profile from the usability test. I don't have time to go into details here, but the interesting remarks is that you could see that in the sessions, so interaction with the tablet tend to dominate, except for session three, where people tend to spend more time in mixed reality because they felt more familiar here. But you had also 10% of the time people, or to up to 20% of the time, people were collaborating, either user A or and the user B, but there was collaboration at least 10% of the time. And those tasks are again recalled here on the right. And on the bottom, you can see the total time that people took to complete the task from 6 minutes and 10 seconds to 11 minutes and 58 seconds, which is reasonable for a simple reconstruction tasks. And these are the responses to the questionnaires. And I won't go into that. That's not time for the details. So our evaluation with medical experts suggests that mixed reality combined with digitized data sets can be a viable approach to overcome the problems by 3D reconstruction from anatomical slices. Our results show that the virtual dissection is possible in using two tablets, and there's a potential to evolve with more collaborators. So the highlights from here is a novel collaborative mixed reality approach to anatomical dissection, or une nouvelle approche collaborative réalité mixte à dissection anatomique. Et on voit qu'on peut faire de l'interaction en vol, c'est-à-dire mid-air interaction, et utilisant des surfaces interactives, or interactive surfaces, pour reconstruire et explorer un cadavre virtuel. On a fait une étude des utilisateurs avec des anatomistes professionnels, et ils peuvent facilement accéder à toutes les pré-sections et modifier les contours. Et notre approche encourage les collaborations étroitement liées et la discussion de groupe. So, that was previous work. Now we want to improve the performance. And because we have the pandemics, we are now focused on virtual reality as a way of having different people collaborating around the same data set. But in virtual reality, since they are no longer in the same room. And we can show here, let me see, show you a movie of the state of the art. Oh, with yes. So we call it computer human assisted structure modeling, anatomical structure modeling, or CASM. And here you can see a person wearing the virtual reality data set. And they can, using the controls, rotate and or elevate the cadaver again. Oh, sorry, I restarted the movie by accident. But you can, the one key point in this approach is that we are using standard hardware so that this can be accessible by students all over the world. Recently, virtual reality has become affordable, and the Oculus Quest 2, which is the headset that you are seeing here, can now be used by 40 million or more people around the world. And this makes the challenge, hypothesis of using the controls and the virtual reality headset very attractive in economical terms. So we can now have for hundreds of euros material that would cost tens of thousands of dollars several years ago. And this is what makes it very interesting. And you can see the conceptual diagram on people using the elevator to, instead of having the cadaver lying on the table,
they can rotate it and as in the upright position. And this is ongoing work. I just wanted to show you that we can go from mixed reality to virtual reality to improve the visualization. So we are now working on this collaborative virtual reality application. We want to improve semi-automatical segmentation using artificial intelligence techniques to allow people to sketch contours faster and to provide faster 3D animations and preview of anatomical structure. Donc, in French, nous voulons atténuer la charge de travail de segmentation. Nous voulons améliorer la segmentation semi-automatique. Utilisons des snakes, des techniques d'intelligence artificielle et des esquisses. On va travailler et miser sur la reconnaissance de gestes et on va utiliser, bien sûr, des animations 3D et aperçues. Donc, merci pour votre attention et je pense qu'on pourrait répondre à des questions dans le panneau après la dernière présentation. Merci pour l'opportunité de faire la présentation de notre travail. Merci, professeur Georges, de cette très belle présentation. Je félicite les trois conférenciers, le professeur Georges, le professeur Prime et le professeur Solaire, de leur présentation. Nous avons très peu de temps pour les questions. Je voudrais commencer par poser une question au professeur Luc Solaire. Quand nous avons appris l'anatomie dans ma génération, pour nous l'approprier, nous disions qu'il fallait l'apprendre 7 fois. Un jeune chirurgien est devant un mystère. L'intérieur du corps humain est pour lui totalement mystérieux. Vous avez des techniques qui sont très séduisantes, qui permettent de comprendre vite et d'apprendre vite. Mais est-ce qu'elles permettent de retenir? Alors, en ce qui me concerne, je considère qu'il faut continuer à apprendre l'anatomie comme avant et il faut ajouter à cet apprentissage cet outil. Parce que l'anatomie qu'on apprend, c'est notre façon de pouvoir parler entre nous. Si je vous dis il y a une tumeur dans le segment 8, dans votre tête, vous savez à peu près où est le segment 8. Si maintenant je vous dis il y a une tumeur dans le segment 8A avec un petit exposant L, eh bien, il va falloir qu'on change notre façon de parler. 8, vous comprenez, ça vous donne le repère. Mais le fait d'avoir ajouté A et un petit exposant L, ça vous dit mais qu'est-ce qui se passe ? A, ça veut dire qu'il y a au moins 2 branches qui vont dans ce segment 8 qui partent de 2 origines différentes. Le petit exposant L, ça veut dire que son origine vasculaire vient de la gauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir ajouter à l'anatomie standard qu'on a appris des règles de nommage personnelles au patient. Et ces règles de nommage, on peut les définir, c'est ce qu'on a fait pour le foie, c'est ce que je suis en train de faire aussi pour les poumons, on peut les finir grâce à la modélisation 3D. Mais dans tous les cas, une fois qu'on va voir apparaître ça, on va dire « Ok, je sais ce qu'est le segment 8, je l'ai appris en anatomie. Je sais qu'il y a des règles de nommage qui vont juste rajouter des petites choses comme des lettres A, on l'a vu, hein, puisque ça vient de Quino à la base, hein, de Bismuth, pardon, qui avait fait le 4A et le 4B, hein, je suis juste reparti de ça. Eh bien, ces règles de nommage, pour bien les comprendre, on va regarder l'image 3D, et là, je vais rapidement comprendre. C'est ça le principe. Je ne veux surtout pas qu'on arrête d'apprendre l'anatomie. La première chose qu'on fait dans notre équipe chez Visible Patient, nos manip radio, ils ont 6 mois d'apprentissage de l'anatomopathologie intense, où ils font que de l'analyse d'image avec de l'apprentissage de l'anatomopathologie. On a de l'IA qui fait ça tout seul et pourtant, on leur fait cette formation. Aujourd'hui, j'ai 20 manip radio qui font ça tous les jours grâce à cet apprentissage. Donc, je ne pense pas qu'on remplacera et je ne pense pas qu'il faut retirer l'apprentissage de base. Je pense qu'il faut juste ajouter cet outil qui permet d'exploiter l'apprentissage de base, ce qui n'est pas la même chose. L'apprentissage de l'anatomie, d'après ce que tu dis, c'est comme l'apprentissage de la chirurgie. Il faut apprendre à fond, retenir, et ensuite on se spécialise en devenant très spécialisé dans telle ou telle pathologie ou dans tel ou tel organe. Il en est de même pour la chirurgie. Oui, complètement d'accord. Et d'ailleurs, je pense que l'anatomie est très liée à la chirurgie dans son usage. Alors, on va avoir des traités d'anatomie spécifiques sur des zones. Comme je vous l'ai dit, moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé sur l'anatomie du foie. J'étais au maximum de ce que je pouvais faire, je pense, aujourd'hui. Maintenant, je suis en train de m'intéresser de près à l'anatomie du poumon parce que je vois qu'on peut réappliquer les mêmes règles. On peut difficilement tout faire d'un coup. Et en effet, il y aura des spécialisations comme pour la chirurgie. D'autres questions ? Oui.
Juste pour rebondir sur ce que disait le président Philippe Marre, c'est que moi, je ne peux pas, pour apprendre, j'ai besoin d'écrire et de dessiner. Et donc, la mémorisation, en fait, je mémorise moins bien quand je regarde du virtuel. Ça aide, effectivement, comme vous l'avez dit, mais la partie apprentissage me paraît indispensable. Alors, simplement une question. Ce que vous avez montré tout à l'heure est absolument incroyable. Alors, est-ce que ça veut dire que pour tous les patients qui seront opérés maintenant, ces images virtuelles qui donnent une précision supplémentaire seront quasiment obligatoires? Est-ce que c'est une nécessité? Parce qu'au fur et à mesure où ça avance, c'est impressionnant quand même, puisqu'on est de plus en plus précis, on visualise notamment, je pense, moi je suis ophtalmo, mais pour la partie viscérale, pour la partie orthopédique, prévoir l'opération en fonction d'une anatomie personnalisée, ça paraît incroyablement une évolution qui paraît inexorable. Alors, je pense que lorsqu'on a un acte opératoire dans une zone complexe, il vaut mieux avoir la modélisation. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire systématiquement. Il y a des zones où la compréhension est assez facile, il y a des zones où c'est plus compliqué, il y a des organes pour lesquels les variations sont légion, il y en a d'autres où il y en a moins. Je pense qu'il faut raison garder. Si on utilise trop une technologie, ça va coûter beaucoup d'argent et ça va nuire à la technologie. Ce qui fait que c'est pris en charge aujourd'hui, c'est qu'on a un pourcentage élevé de bénéfices. Si maintenant vous l'appliquez à tout et n'importe quoi, le pourcentage de bénéfices va baisser. Donc il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, il faut vraiment l'utiliser pour ce pour quoi c'est utile. Et je suis d'accord avec vous, pour l'apprentissage, mes étudiants en médecine, quand ils viennent dans mon département, je leur fais faire à la main des contourages. Donc c'est en effet un très bel outil d'apprentissage. Encore une question rapide, là. Oui. Jean-Claude. Petite question pour le temps réel. On pense tous, effectivement, à la réalité augmentée, à ce que tu as montré, si tu veux, avec ces images, etc. On a des problèmes de calage actuellement. Je veux dire, il faut des approches multimodales assez complexes pour corriger les mouvements respiratoires, de position, etc. Est-ce que vous travaillez, je pense qu'on travaille à l'IRCAD et qu'il y a un travail important d'approche à partir de la lumière et... Alors, on l'a vu avec les équipes allemandes, on fait aussi ce qu'il faut ici. Je pense que la clé du succès, on va revenir sur l'anatomie, ça va être à nouveau l'anatomie parce que, par exemple, notre simulation respiratoire qui est en fait un tracking, un suivi temps réel des mouvements, ne fonctionne, la simulation c'est la version numérique qui est censée reproduire ce qui se passe à l'intérieur et de le montrer, elle ne fonctionne que si on a une bonne connaissance de comment fonctionne finalement un système respiratoire. Donc on part d'une géométrie de l'anatomie du patient, on va y rajouter des fonctions et notamment des propriétés biomécaniques. Ces propriétés biomécaniques peuvent venir de l'image, mais tout ça c'est de l'anatomie. La biomécanique, c'est de l'anatomie. Comment est-ce que ça bouge, une rotation, etc. Tout ça, c'est de l'anatomie. Donc, le fond derrière, c'est de l'anatomie. Il faut juste le convertir. Et après, ça devient des maths et de la physique. Mais au final, on a bien cette conjonction. Et en effet, c'est techniquement complexe sur des organes mous, encore plus complexe sur le poumon, parce que là, c'est rempli d'air et ça se dégonfle. Mais c'est faisable malgré tout. On l'a déjà montré. Hein, je vous ai montré quelques exemples, mais là, très rapidement, on a déjà montré qu'on pouvait, par exemple, sur le foie, aujourd'hui, après pneumopéritoine, en laparoscopie, avoir 2 mm de précision pour cette vue de réalité augmentée. Donc, c'est faisable. Pas qu'on soit trop long, messieurs, je suis désolé, parce qu'en plus, nos orateurs anglais sont exclus de cette discussion, donc il faut qu'elle soit brève. Une dernière question très rapide, avec une réponse très rapide. Les régions que vous nous avez montrées, la chirurgie, le contrôle des vaisseaux est essentiel en chirurgie. Est-ce qu'on peut voir les nerfs? Est-ce qu'il y a des moyens qui permettent de voir les nerfs? Parce que dans d'autres régions, c'est important. Alors, on travaille actuellement sur les nerfs du pelvis pour pouvoir les modéliser. Alors, c'est un travail qu'on a lancé pour les endométrioses à la base et pour la chirurgie de la prostate. C'est vrai que c'est l'endométriose qui est notre target actuel parce que c'est très compliqué. Vous savez que ça touche énormément de patientes. Donc, on s'est lancé là-dessus. Il y a des équipes, à Necker, par exemple, qui font des magnifiques travaux aussi sur la même région. Donc, je pense que oui, dans l'avenir, on pourra. Pour l'instant, on n'a pas d'imagerie dédiée, à part pour le cerveau, bien sûr. On ne voit pas les nerfs au scan. On ne voit rien, on ne voit pas les nerfs au scan.